Bonjour les filles, voilà, produit fini du mois de octobre et début de novembre parce que j'ai eu quelques travaux donc j'ai pris du retard. Voilà, nous allons commencer par tout ce qui est soins de cheveux. Donc, nous avons le gel pour qui vient de Action, le voici. Produit fini, oui, je rachèterai. Le gel de mon fils de chez Aldi. Non, je rachèterai pas. Un masque de cheveux Garnier ultra doux, masque réparateur intense à rincer, à la mangue et la fleur de tiare. Oui, je rachèterai, ça démêle même les cheveux, franchement. Oui, je rachète. Un Yves Rocher, un anti-pelliculaire anti-récurrence. Oui, je rachèterai. Un gel douche, nous passons dans la gamme de gel douche. Donc, gel douche de chez Sephora que j'avais acheté pendant les soldes. À l'extrait de pulpe de fraise. Oui, je rachèterai. Un shampoing de chez Noz. Naturel Value au Raspberry et Red Apple, c'est à la framboise et à la pomme. Oui, je rachèterai, très bonne qualité. Un gel douche bois de santal et vanille, hydrate et nourrit. Le petit Marseillais, oui, je rachèterai. Toujours de la même gamme, le petit Marseillais bois d'oranger et d'argan, hydrate et rafraîchi. Oui, je rachèterai. J'avais reçu dans ma Birchbox du mois de septembre, non, octobre, un gel douche sous forme de mousse. Non, je rachèterai pas. Gel douche au concombre et là où aloe vera, c'est de chez Action. Oui, je rachèterai. Gel douche à la noix de coco d'Action, pareil. Oui, je rachèterai. Un gel douche de chez Carrefour, mon savon au lait à la pêche et mangue. Oui, je rachèterai. D'ailleurs, j'en avais acheté un lot. Un gel douche que j'avais acheté un lot en format de voyage. Oui, je rachèterai en grand format, volontiers. Nous passons dans la gamme crème pour les mains. Oui, je rachèterai celle-là. D'ailleurs, je l'ai déjà en réserve. Oui, je rachèterai, elle rend les mains douces et ça les nourrit très bien. Les bougies, pareil, celle-là, je ne rachèterai pas. C'était un lot que j'avais gagné dans une tombola, mais elle sentait très bonne. Un échantillon de parfum, et c'est Alzaro. Non, je n'achèterai pas, mais il était très bien. Une crème de main que j'avais eue en cadeau chez Dr Pierre Rico au parfum Praline Gourmande. Oui, j'achèterai volontiers. Nous passons dans la gamme nourriture. Donc, ça, je l'avais eu à Noz. C'était des pains toast et au romarin. Et franchement, très bon. Moi, je le mange avec du fromage. Oui, je rachèterai.
Mon mari a goûté les nouilles chinoises au curry en saveur et c'est à Carrefour à 54 centimes le sachet avec les épices dedans. Oui, je rachèterai. D'ailleurs, j'en ai en réserve. Une sauce que j'en avais trouvée à Action. Oui, je la rachèterai. C'est une sauce piquante chinoise et oui, je rachèterai. Pareil, j'avais gagné un lot de senteurs de lin en diffuseur. Oui, je rachèterai, mais pas cela. Échantillon de les capsules de chez Sephora, la mangue et mango. Oui, j'achèterai. D'ailleurs, je fais que ça, tellement que c'est trop trop bien. Donc, une à la mangue, une au monoï. Là, c'est les crèmes de douche très nourrissantes. D'ailleurs, j'en ai encore en réserve. Pareil au thé vert et à l'apivoine. Oui, je les rachèterai. Ah, on fait tomber tellement qu'il y en a du produit. Donc, deux huiles pour cuticules de la marque OPI. Oui, je rachèterai. Une à la fraise et une au citron. Un correcteur de pégissage pour vernis. Donc oui, je rachèterai. Nous allons passer à la gamme des pinceaux. Voilà, les pinceaux Nail Art, usés avec le temps. Et beaucoup d'usages donc à jeter et oui c'est déjà recommandé et encore en réserve. Vernis que je jette comme vous voyez il a durci le fond puis on arrivait pratiquement à plus avoir. C'est le vernis Biocura de chez Aldi, je rachèterai pas. Vernis qui a durci aussi avec le temps. Effet craquelé, effet top coat, oui, je rachèterai une huile à la must, je mets en diffuseur, oui, je rachèterai pareil des huiles encore pour à la lavande et. Ça, je l'avais eu dans un kit en coffret de chez Aldi. Oui, je rachèterai. Un échantillon que j'avais reçu aussi dans la Brishbox. C'est un réparateur de shampoing pour cheveux en shampoing. J'ai adoré, mais rien que l'échantillon, j'en avais pas du tout assez pour ma longueur de cheveux. Donc, possible que je rachète, mais en tout cas, pas pour le moment. Nous allons passer à la gamme des Yuki Candle. Donc, j'ai fini la Yuki Candle Frankincense. J'en ai en stock. Oui, je rachèterai. J'ai fini un savon effervescent en forme de cœur. Non, je rachèterai pas. J'ai fini deux masques de visage. À l'argile rose effet matifiant de la marque Nove Expert Essentiel. Oui, je rachèterai. J'ai fini le masque Confort Plus à la pulpe de grenade, nourrissant et apaisant. Oui, je rachèterai. De la marque Nove Expert Essentiel. Un autre vernis que je jette parce qu'il a durci avec le temps. Donc, c'était un violet. Je rachèterai pas.
Un autre vernis pareil en forme de lac, je ne rachèterai pas. Un autre vernis fini, la marque C'est tout moi, qualité, haute qualité, vernis professionnel, je ne rachèterai pas. Un rouge à lèvres numéro 79 de Aldi, il était nude et non, je ne rachèterai pas, j'en ai tout plein à finir aussi. La marque Benefit en format liquide pour joues et lèvres, oui, j'achèterai. Un eyeliner, c'est tout moi, non, je miscope, non, je rachèterai pas, mauvaise qualité pour moi. Un vernis So Light de la marque Bourjois, oui, je rachèterai. Un baume à lèvres mango, oui, je rachèterai. Un baume à lèvres que j'avais eu dans ma Brishbox il y a très longtemps, et enfin très longtemps, il y a un an de ça, et je l'ai fini, et j'en ai tout plein à finir en fait, donc non, je rachèterai pas. Comme c'était Halloween, j'avais mis des paillettes à mes filles. Donc c'était gel paillettes de corps, couleur argentée. Non, je rachèterai pas. Un crayon à lèvres de la marque Technique. Non, je rachèterai pas. Je ne peux plus en tirer quoi que ce soit. Il est vraiment fini. Un autre baume à lèvres que je jette parce que voilà, il en restait plus énormément dedans, de quoi faire même pas une lèvre, en forme de cœur que j'avais eu avec une trousse de chez Primark. Non, je rachèterai pas. Un rouge à lèvres Technique et c'est un couleur marron. Non, je rachèterai pas. Deux vernis que je jette qui a durci avec le temps aussi. Donc, de la collection Sabrina. Je jette et je rachèterai pas. Un autre vernis de la marque Sabrina. Pareil, je rachèterai pas. Trois autres vernis, c'est Love Me. Je rachèterai pas. Un autre vernis de la collection Sabrina effet pailleté, non, je rachèterai pas. Et la Donna Nail Liker, non, je rachèterai pas non plus. J'ai fini une brume I Love Coconut et crème, je rachèterai et franchement je la regrette, c'était à la noix de coco. Un gommage de corps que je viens d'avoir ce mois-ci dans la Brishbox, je ne rachèterai pas. Et franchement, l'effet granuleux dedans, c'est comme si on avait un gel pour se laver. Donc non, pur flop pour moi. Enfin, pour ma part, il ne convient pas. J'ai fini des cotons Duo Carrefour. C'était un lot de 3 x 70 cotons, j'ai fini et oui, je rachèterai. J'ai fini d'une betrousse que j'avais eue il y a un petit moment. Le nettoyeur de peau sensible, nettoyant douceur, sans rinçage et tout. Nettoyant douceur sans savon ni agent à câlin, protège et déshydratation. J'achèterai volontiers. J'ai adoré. Un lait démaquillant la marque Diadermine. Non, je rachèterai pas. J'ai pas aimé. Lingette de chez Carrefour, oui, je rachèterai. Ça le convient. Là, je suis en train de
testé la crème de jour que j'avais eu aussi dans la Betrousse il y a un moment, qui fait court et décolleté et visage. Pour l'instant, mon avis, je peux pas vous dire quoi que ce soit parce que je suis en plein test dedans. Donc, prochaine vidéo produit fini, je vous en dirai plus. J'ai fini une crème de nuit Dr Pierre Rico, Renaissance de nuit, soin régénérateur actif, système chrono-réparateur. J'ai adoré et je regrette de ne plus l'avoir. Et je suis passée sur une autre gamme, mais pour l'instant, je teste celle que j'ai reçue dans la Birchbox du mois dernier. Donc, pareil, je vous en redirai des nouvelles. Mais celle-ci, je la regrette. Et je rachèterai. Une crème pareille éclat d'hiver de chez Dr Pierre Rico de jour. C'est une crème de jour. Et oui, je la rachèterai parce que franchement, j'ai adoré. Un lait de corps Evoluderm. Lait de corps sur gras, ultra nourrissant, pur flop. Je rachèterai pas. J'ai détesté. Trop liquide pour ma peau. Une crème nourrissante à la vanille pour le corps, j'ai adoré et je rachèterai volontiers. Une crème Dextéril quand j'avais vraiment la peau sèche à mon corps, et oui, je rachèterai volontiers. Et d'ailleurs, il faut que j'aille en racheter, mais je la recommande pour quand vous avez les peaux très sèches. Crème de corps, nouvelle formule de chez Yves Rocher, la nouvelle collection à l'amande fleur d'oranger. Lait de corps relaxant, oui, je rachèterai volontiers, j'ai adoré. Une crème de corps pareil, beurre à la fleur d'oranger, oui, je rachèterai et ça vient de mon institut. Perron Rico en fournisseur. Jardin d'Orient. Une crème de corps que j'ai eue à ma Betrousse. La BB Miss American Drill Cherry Body Lotion et de la marque Anatomical. Oui, je rachèterai, j'ai adoré. Je suis passée à la fleur de douche de chez Noz en forme de papillon. Oui, je les rachèterai parce qu'elles vont très bien. Et pour le prix, je les prends. J'ai fini une fleur de douche, pareil, d'un coffret que j'avais eu avec une lotion de corps et tout, qui avait lotion de corps, crème de main et gel douche. Donc elle a fait son temps. Je suis passée à d'autres. J'ai fini la crème de corps Cacharel Amor Amor. Dommage pour le prix, c'est un peu élevé. Mais oui, j'ai adoré. Et dommage, non, je rachèterai pas. Mais pourquoi pas me le faire offrir occasionnellement. Voilà tout ce qui est pour produits finis. Donc oui, il y en a beaucoup. Effectivement, ça fait octobre et début novembre. Voilà, la vidéo est finie. Les filles, n'oubliez pas d'aller en dessous de la vidéo, de liker, de laisser un petit pouce bleu, de laisser un commentaire si vous le désirez, de vous abonner si vous n'y êtes pas. Merci aux abonnés de me suivre. Je vous dis bye bye, à la prochaine!